Ça y est, c'est la première vidéo, pas déménagement, que je sors depuis la rentrée. Aujourd'hui on est samedi, je me suis dit que c'était une bonne journée pour filmer une vidéo. J'ai quelques trucs à faire pour l'appartement, des updates, d'ailleurs j'avais mis arrive pour installer 2-3 trucs que j'ai reçus, je vous montrerai tout à l'heure. Et je pense qu'en vrai ce soir on va se faire un repas de roi, on va tester plein de trucs. De toute façon vous savez, vu que vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu le titre. Là il doit être au moins 14h je pense. J'ai fini de me préparer, j'ai un peu travaillé ce matin. Je m'étais dit que vraiment genre le week-end je me coupais complètement de tout. Premier week-end je travaille dès le matin. Bon de toute façon c'est parce que je viens de déménager, donc il n'y a pas encore mon rythme qui est fait. Mais dans tous les cas faudrait que je me force vraiment à me couper de mon ordinateur genre le week-end au moins. Et après le reste de la semaine bosser à fond quoi. Bref on s'en fout, pourquoi j'arrive comme ça, tout le monde s'en fout. Voilà ma tenue du jour, j'ai mis un petit pantalon beige avec un débardeur. J'ai l'impression que dans toutes les dernières vidéos je mettais ce débardeur, mais je sais pas, je l'aime trop. Et une petite chemise, en vrai il pleut dehors, je suis un peu deg. Jérémy est arrivé. Non mais par contre c'est un truc de ouf, aujourd'hui il n'y a pas de lumière. Heureusement que l'appart est lumineux parce que dehors il fait nuit, on dirait. Ouais, c'est déjà l'hiver. Vous voyez tous ces cartons? Ça m'énerve. Et je suis jamais là le jour des cartons, donc je ne peux pas les descendre. Mardi prochain, je serai là pour les cartons. Unboxing des nouveautés que j'ai reçues. Je vous avais dit que j'avais commandé un cadre pour la chambre et je l'ai reçu. Pour ça je l'ai déjà déballé parce que j'ai pas pu attendre. Ce trop beau cadre. Donc on est censé l'accrocher au milieu du mur ici. Je pense que ça va être très stylé. En fait j'avais prévu du coup de mettre une grosse plante ici, mais je vous l'avais dit dans la dernière vidéo et vous m'avez tous dit qu'il fallait pas mettre de plante dans la chambre parce que ça aspirait tout l'oxygène, c'était pas bon pour dormir. Pourquoi tu lui ouvres pas les volets? T'es au courant? Ouais mais j'aime bien comme ça. Et elle regarde à la caméra, il y a plein de lumière. Magnifique. Alors que j'ai l'impression qu'il fait nuit chez moi. Ouais, de plantes dans les chambres. Tu savais? Non, j'ai lu les commentaires. J'en étais sûre. Donc du coup, peut-être qu'en fait le banc que j'avais repéré pour mettre ici, en fait je le mettrai là-bas, en dessous. Un banc sera plus grand que ça. Un petit banc. C'est deux poufs à côté quoi en gros. Bref, on verra. En tout cas pour l'instant il n'y a rien de prévu. Monsieur qui me casse mes plantes dès que j'en ai un. Ouais, je pense que ça va être stylé. Attends, je rentre dans la chambre. Trop bien. Je pense que comme ça c'est stylé hein. Ouais, et en dessous ouais on mettra un truc, je sais pas encore quoi. Oh alors attendez, j'ai commandé ça sur Amazon. C'est les sunset lamps. C'est trop stylé. Bon là il fait jour, mais normalement c'est grave grave stylé. Regardez, en fait c'est une lampe comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, je vous présente le truc. Et en fait le soir bah c'est trop trop beau parce que ça éclaire toute la chambre, mais de cette couleur quoi. Franchement j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, pour les updates de la chambre, en vrai il n'y a rien d'autre. Ensuite j'ai reçu un truc extrêmement, extrêmement cool. C'est un miroir. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré, mais on a installé les appliques, je me souviens plus, mais je crois que vous l'avez pas vu. Tadam ! Alors perso j'aime pas du tout l'éclairage aux appliques, mais au moins elles sont toutes installées de partout. Oh, mais je vous ai pas montré, je suis une malade mentale. J'ai reçu mon tapis, je le trouve vraiment magnifique. Genre il est trop, 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 trop beau. Mais je pense qu'on va le tirer un peu parce que là il faut qu'il soit un peu plus loin et là il est trop au milieu du canapé. Le miroir, fais gaffe. Mais trop bien. Wow. Tu veux le prendre? Tu veux le casser? Non mais il est plus gâté. Waouh. Moi j'hésitais, ce miroir il va là. Et moi je trouve ça grave stylé, mais par contre, est-ce que tu penses qu'il serait mieux là où il y a le cadre? Non, je pense pas. Je le mets là et tu regardes et tu me dis ce que t'en penses. Ah, c'est beau. Tu trouves ça bien ou pas trop? C'est bien, mais c'est pas 100%. Je suis d'accord. En fait, je pense qu'il faut essayer un charme parce qu'en fait ça reflète les appliques. Vas-y, prends-le pour dans la chambre. Faisons un petit test ici. Vas-y. Oh non, c'est beaucoup mieux, ça me gâche. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Et ça, je sais que le cadre, on avait essayé quand je l'ai reçu, il est grave bien dans le salon. C'est hyper haut, mais je pense que c'est grave bien comme ça. Mais je trouve que c'est un peu trop rose, tu vois. Je sais pas, mais ton salon... Faut que j'enlève des livres roses, quoi. Est-ce qu'on peut ouvrir la télévision? Non. Pourquoi? En gros, je vous avais dit que la télé, c'est une télé cadre, c'est-à-dire que là par exemple c'est une photo. On peut croire que c'est un tableau, sauf que là on croit pas que c'est un tableau parce qu'il manque les cadres. Plus il y a le fil qui est pas encore caché parce que j'ai pas reçu mon meuble télé. La télé du coup c'est une The Frame, il y a des cadres qui sont disponibles. Il y a plein d'autres couleurs? Il y a noir, blanc, il y a différents blancs je crois. Bon en tout cas moi j'ai pris blanc. Voilà. Et en fait c'est juste des cadres qu'il faut ajouter. Ensuite on peut choisir des photos. Moi j'avoue celle-là c'est pas ma préférée du tout. Et donc il y a plein de photos disponibles. D'ailleurs il y a même des abonnements, enfin genre pour acheter des pièces un peu
enfin des œuvres d'art quoi, pour les mettre dans la télé. Et c'est trop trop bien parce que vraiment c'est hyper bien fait. Genre quand tu mets le mode art, on dirait vraiment un tableau avec un cadre et avec le fil caché quoi. Je voulais trop aller acheter des fleurs pour mettre sur ma table ici dans ce petit vase. D'ailleurs ce vase, courez l'acheter, c'est un vase Ikea qui coûte genre moins de 2 euros. Et il est trop trop beau, je l'adore. Et je voulais trop acheter des petites fleurs pour mettre sur la table. Mais bon, il pleut trop pour que je sorte. Me casse pas ma télé hein. Ah ouais, c'est biseauté comme jamais en fait. La télé va tomber, ça va faire trop la street. Ah c'est stylé hein, super bien. Viens j'essaie de mettre des photos. Ah on va tester un truc, je crois qu'on peut mettre un cadre à l'intérieur. C'est quand tu mets mat. Moi je trouve que c'est archi pas réaliste, mais sur les photos c'est réaliste. Ah oui tu sais ça fait en mode yellow corner. Ouais bah je sais pas quoi en penser. Moi j'aime moins quand il y a un cadre à l'intérieur. Ça fait fake en fait. Ça fait vraiment vraiment stylé, faut juste attendre qu'il n'y ait plus le fil. Mais ça va être incroyable. Prochaine étape aussi à faire. En gros j'avais ce miroir chez moi et il y avait des lumières Philips installées. D'ailleurs c'est vraiment trop bon d'investir lumière Philips. Là j'ai pas la base donc je peux pas changer. Enfin bref ça bug, c'est vert mais on s'en fout. Donc voilà c'est cool, ça fait de la lumière. Et en gros si on rajoute juste un petit truc en haut, je trouve ça super bien que ça éclaire plus comme ça. Ça met grave en avant le relief là, le creux de mon mur. Donc du coup Jérémy il va installer, comment ça s'appelle, Une patte derrière. Pour que ça passe bien faut qu'on se dépêche parce que j'ai pas envie qu'on fasse les trous trop ouais, tard ouais, ça craint. Ah non mais là le bruit que ça a fait, crois moi bien qu'on va pas du tout mettre le reste aujourd'hui hein. Les voisins ils vont me détester. Et en plus demain c'est dimanche donc ça repousse à lundi. Tadam. Ça rend trop bien, le fait que ça éclaire jusqu'en haut c'est vraiment trop beau. Comment on fait pour le reste, on peut pas le faire aujourd'hui, on est d'accord? Franchement si, je pense que c'est juste très simple. Et c'est 20 secondes de bruit hein. Ok. Ok, bah on laisse comme ça. Trop bien. Ok, Jérémy il est allé chercher des trucs à grignoter et là il me dit film, j'ai une idée de génie. Bah, j'ai eu une idée de génie. Vas-y raconte. Sur le chemin, je me suis dit, ils font des dingueries dans cette boutique. Ok. Donc peut-être qu'il y a de la pâte à tartiner. Et en fait, ils font de la pâte à tartiner. Oh putain. Et genre... Attends, praliné? Ouais. On est addict à un truc à Versailles, c'est comment ça s'appelle? Au colonne. Au colonne, ouais. C'est genre un chocolatier un peu. Ah non, c'est un chocolatier tout court. Ah ok. Et en fait, ils font des rochers pralinés. Un truc, c'est lunaire, c'est-à-dire que c'est un goût. Moi, j'avais jamais goûté un truc pareil, on est bien d'accord? Ouais. Et là, il a acheté la pâte tartinée de là-bas. Bon, vas-y, je suis chaude pour manger du coup. Waouh! Mais ça a exactement la même odeur que les rochers. Et déjà que les rochers c'est addictif, je pense que ça... Vas-y, je vais arrêter de parler. Pourquoi tu m'achètes des trucs comme ça? Je savais que ça allait. Je vais en manger 100 fois par jour. Moi je suis vraiment... Toi t'es pas matrixé à mon point des trucs pralinés. Je dois t'attendre pour goûter. Tu peux. Ok, vas-y. C'est dur. Vite. Tiens, au final dans cette vidéo, à la base je voulais faire un peu de trucs d'emménagement et un peu de mukbang. Et bah au final ça va être une vidéo où je vais faire que de manger. Vas-y, je goûte. Toi tu mets des miettes sur le canapé, tranquille. Où c'est ce qu'il y a des miettes sur le canapé? Bah je sais pas, t'as pas encore croqué? Bah j'ai croqué maintenant. Oh là là, les problèmes, c'est trop chiant. Comment c'est incroyable. Des trucs comme ça, moi ça me fait briller. Je suis pas sucre, mais vraiment les trucs pralinés, c'est trop incroyable. Ça là, c'est vraiment un truc de ouf. Si vous venez à Versailles, vous devez aller aux colonnes. Non, c'est trop bon. Tout ça là, à l'intérieur, c'est praliné. Imaginez juste. Bon, il est bien plus tard, on a tout rangé. En vrai, le résultat de tout est cool. Le miroir est installé, les cadres sur la télé sont posés. Et ce cadre-là est mis. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré ma lampe arc-en-ciel dont je vous avais parlé dans le précédent vlog? Et bah, je l'ai reçue et elle est trop belle. Et elle est réglable, donc c'est trop pratique pour le soir parce que c'est vachement lumineux quand même. Du coup, le miroir, ce sera pour une autre fois parce qu'en vrai, il est tard. Bref, je me dépêche parce que Picard va bientôt fermer et que c'est l'heure du mukbang. On se souvient tous de cette vidéo où j'avais mangé Picard pendant 24 heures. Et c'était incroyable. Il y a un engouement auprès de Picard que je comprends. Je m'étais dit pourquoi pas recommencer un peu les vidéos classiques avec une vidéo nourriture déjà, bien sûr, sinon on ferait pas sur la bonne chaîne. Et aussi discuter, manger, Picard. Je sais pas, le combo était bon. Donc on va aller chercher 2-3 petits trucs à goûter, des nouvelles choses que je connais pas du tout chez Picard. Et voilà, je pense que ça va être cool. Let's go! Mais je sais pas si elles sont bonnes. Mais elles ont l'air bonnes. Genre ça. Je crois que je vais en profiter pour faire des vraies courses. Parce que j'ai jamais eu de congélateur. Et genre là c'est la première fois que j'en ai un. Et j'ai pas encore eu le temps d'aller genre chez Picard acheter des trucs surgelés. Depuis quand il y a des sushis? Alors ce sera pour une vidéo test de sushis Picard. Genre. Un
unboxing. Du coup j'ai fait plein de courses. Enfin plein de courses. J'ai acheté des trucs quoi. Je vous montre pas forcément ce qu'on mange ce soir. Je vous montre mes courses. Mes recommandations Picard, on va dire. Même si j'en ai pas beaucoup vu que je n'ai jamais eu de congélateur. Purée potiron, carotte, maïs. Ça. Mais d'ailleurs c'est pas ça que je prenais. Je crois que c'est un truc avec du lait de coco que je prenais. Mais bon, un truc du genre. Super bon. J'aime trop les purées. Du coup j'ai pris une autre purée que j'ai jamais goûtée parce que je sais pas comment je me débrouillais à chaque fois que je la voyais. Je prenais celle d'à côté qui n'était pas à la truffe. Purée à la truffe. Donc j'ai hâte de voir si c'est bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont vos recommandations Picard maintenant que j'ai un congélateur. Je veux vos recommandations en commentaire. J'ai pris des filets de limon. Bon. Super intéressant cette vidéo. J'ai pris des champignons parce que les champignons, quand j'en achète, je trouve ça hyper chiant parce que il n'y a pas forcément tous mes repas qui ont besoin de champignons. Ça peut vite traîner dans le frigo. Donc, en vrai, c'est facile à avoir surgelé. J'ai pris du riz cantonné. J'adore ça. Je suis addict à ça. J'en mange jamais, mais j'adore ça. Un autre truc trop bon, c'est les aiguillettes de poulet marinées au citron. Je mange pas beaucoup de viande. J'en achète vraiment pas de la viande. Mais j'avoue que du coup, je pense que je manque de protéines. Même si ça se trouve ailleurs, je pense que je suis pas encore assez équilibrée dans mon alimentation pour vraiment couper à 100%. Quand j'aurai une alimentation saine et que je m'y connaîtrais peut-être un peu plus, j'essaierai vraiment d'arrêter la viande parce que c'est mauvais pour les animaux et pour l'environnement, c'est catastrophique. Et du coup pour ce soir, on s'est fait un repas simple mais parfait pour discuter. Pizza. C'est ça un truc, c'est que je trouve que les pizzas surgelées sont super bonnes. Je n'ai jamais goûté celle de chez Picard, je n'ai jamais utilisé mon four. C'est une vidéo de première fois. J'avais acheté des beignets de crevettes pour faire genre une petite entrée, mais en fait je pense que ça va être déjà beaucoup trop long et beaucoup trop. Je peux pas me taper des beignets de crevettes et me taper une pizza de fromage, genre j'ai une très mauvaise idée. Et en dessert bien sûr, parce que je n'ai pas du tout assez mangé de pâte tartinée tout à l'heure. Moelleux au chocolat, ça on m'a dit que c'était une dinguerie totale, que c'était un truc de ouf. J'ai retenu et j'ai acheté, on va goûter ça tout à l'heure ensemble. Je vais tout mettre dans mon congélateur. D'ailleurs attendez, j'ai acheté ça, c'est une boîte avec deux étages de glaçons, des petits glaçons, c'est trop beau pour le matcha. Et en fait une fois qu'ils sont faits, tu les vides là-dedans et il y a une petite pelle, c'est génial. J'ai acheté un kit à matcha, vous l'avez vu au début de la vidéo ce matin, que j'ai utilisé avec un tanis et tout. Je vous mettrai le lien de ces trucs en barre d'infos parce que franchement, trop bien. Je reviens 10 ans plus tard, j'ai laissé la caméra ici, 23h17. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire notre pizza? Je pense que si, je l'ai laissé décongeler 210 degrés 10 minutes. Les boutons s'enfoncent genre. Mais c'est incroyable. Ça c'est quoi? C'est le temps? Bah non, bah non, bah non. Ah, c'est l'heure. Je comprends rien, je m'en fous de l'heure. Ah ouais, ouais, puis ok. Qu'est-ce que je règle là? La température, le temps, ça passe de 1 à 4, de quoi vous parlez genre? Ah ça, je crois que c'est le temps. Putain, je comprends rien. C'est en train de me rendre ouf là. Oh, ça s'est allumé. Ah, attendez, chaleur tournante. Ah, là, je peux régler les degrés. 210. Oh, je crois que j'ai trouvé. Oh. Je n'ai jamais utilisé mon four. Je crois que c'est bon, ça sent incroyablement bon. Regardez ma pizza. Mmh, ça a l'air trop bon. Je vais la découper, la mettre dans l'assiette et aller manger. Goûtons notre pizza trois fromages. Grave bon. Je conseille. Bon les gars, je me suis fait carrément une note parce que j'avais plein de choses à vous dire, genre de sujets abordés. J'en profite pendant que je mange, j'adore raconter ma vie, faire des updates quand je mange, c'est vraiment ma passion. J'ai l'impression que je fais ça dans toutes les vidéos. Premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que je fais pour fêter les 300 000 abonnés? Je sais qu'on a déjà dépassé ce petit seuil, enfin ce gros seuil depuis quelques mois maintenant. Pour fêter les 100K, j'avais fait une vidéo où j'allais chez vous, vous donner des petits cadeaux, etc. Pour les 200K, j'avais fait un meet-up. C'était incroyable, genre j'aimerais trop en refaire parce que c'était trop cool. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont restés amis, etc. Donc franchement, c'est un truc que j'aimerais trop refaire. Mais je me dis peut-être dans d'autres circonstances, pour d'autres occasions, j'ai envie de faire un truc assez spécial. Mais je voulais savoir si vous avez des idées. Et j'oublie pas, hein. Peu importe ce qui se passe, je m'en fous, j'oublie pas. C'est genre le truc vraiment depuis le début, je veux que ce soit spécial. Je veux vous remercier parce que genre tout ça c'est grâce à vous, tout ce que je fais, tout. J'ai envie de choses qu'on peut partager ensemble, mais genre dans la vraie vie quoi. Donc ça déjà c'était le premier truc que je voulais vous dire parce que en vrai je me suis creusé la tête l'été pour trouver des idées. Je vous dis, j'ai quelques trucs mais j'ai pas l'impression d'avoir l'idée, genre l'idée que je vais faire. D'ailleurs pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, j'ai fait de l'hypnose pour mon sommeil. J'ai toujours hyper bien dormi, autant de temps possible, je m'endormais en 2 secondes, je me réveillais pas, je faisais vraiment les nuits parfaites. Et depuis quelques mois vraiment c'est horrible, j'arrive à m'endormir parce que je suis exténuée, mais par contre c'est comme si je dormais pas vraiment tout le long de la nuit. Je me réveille genre 10 fois et réveillée comme si je m'étais jamais endormie, genre réveillée en pleine forme, pas réveillée en mode
C'est quoi ce bruit? Réveillée en pleine forme. Ce qui fait que je ne dors pas. Mais depuis des mois, j'ai réussi à bien dormir quand j'étais en vacances. Pendant une semaine dans le sud cet été. Mais c'est tout. Et on m'a vraiment vachement parlé de l'hypnose. Jérémy en a déjà fait. J'ai des amis qui en ont déjà fait. Je me suis dit, bon bah, je vais tester en vrai. Parce que si jamais ça fonctionne, c'est une solution genre radicale et hyper rapide. J'ai pris rendez-vous. J'ai eu ma séance, ma première séance du coup il y a quelques jours. Il m'a dit que ça allait peut-être prendre plusieurs séances parce que c'était assez gros. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis la première séance, je dors. Donc je suis contente. Je sens que c'est pas 100% ok, mais je dors beaucoup mieux. Je vais vous faire un update pour ceux que ça intéresse, mais c'est trop trop bien. C'est grave spécial comme sensation parce que l'hypnose, on sait pas ce que ça fait quand on n'a pas testé. Genre, on a tous vu ce truc à la télé d'hypnose où ils te font faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Genre, t'es vraiment assis. C'est comme si t'étais dans la lune et t'oublies tout en fait. T'es entre dans la lune et dans un rêve, mais c'est pas une sensation bizarre. C'est comme une sensation qu'on connaissait déjà, ça nous endort en fait. Mais y a rien de spécial. Genre, moi j'avais peur en vrai. J'avais peur de pas être conscient, tout ce genre de trucs. Je savais pas. Comme attendre, mais en fait pas du tout. Sujet important, c'est la rentrée, on a compris. Bon, c'est plus trop la rentrée, mais un peu quand même. Pour moi, tout le mois de septembre, c'est vraiment la rentrée. Qui se souvient l'année dernière quand j'avais fait des vidéos, je me lève à 5h pendant une semaine, ou je sais plus ce que c'était un truc comme ça, et que vraiment de ma vie, je m'étais jamais senti aussi bien. Donc, je me suis dit, c'est la rentrée. De quoi est-ce que j'ai besoin de plus que de ça? Rien. Je vais reprendre en sachant que tout l'été, comme vous le savez peut-être, j'ai fait une pause de YouTube, ce que je n'avais jamais fait. Donc je n'avais plus aucun horaire vraiment. Ma structure de sommeil, ma structure de vie, c'est YouTube. Donc là, il n'y avait plus rien. Je me couchais à 3h du matin, j'étais en pleine forme, enfin vraiment plus aucun rythme. Et quand j'ai commencé à avoir mes meubles et mon appart commençait à ressembler à un appart où je vivais, je me suis dit bon, je vais mettre un réveil tôt. Au début, je commençais genre à 7h30, après je mettais 7h, 6h30 et tout. Et là, du coup, je me réveille tôt. Tous les matins, et je peux vous assurer que c'est ce qui manque à votre vie si vous le faites pas. Même si je suis fatiguée, ça me rend trop heureuse. Je me lève, je me mets direct en tenue de sport, trop important, sinon après c'est mort. Genre une fois que t'es dans ton canapé, jamais de la vie tu vas te relever, aller te mettre en tenue de sport, nan. Je fais mes petits trucs, je fais mon sport, je bois mon matcha, je lis le livre Atomic Habits. À ce qui paraît, c'est un livre incroyable pour les gens qui ont des mauvaises habitudes, qui peuvent procrastiner. Pour moi, c'est nos petits démons. Genre pour moi, vraiment, la procrastination, c'est mon démon intérieur. C'est mon truc qui me hante les jours de flemme, ça me rend vraiment ouf quand j'ai une liste de comme ça de choses à faire et que je n'arrive pas à avancer, genre on n'y arrive pas. À se voir, c'est la solution à ce problème là. Il y a plein d'autres, mais particulièrement aux mauvaises habitudes de ce genre. Donc écoutez, si vous voulez le lire, en même temps que moi, je viens de le commencer et pour l'instant c'est grave cool. Je lis pas, j'ai jamais pris cette habitude, mais j'espère commencer à la prendre. Mais c'est vrai que le matin en fait, ça te met dans un mood et surtout, mais très important, attendez, parce que là je m'éparpille sur tous les sujets du monde, mais c'est pas grave. Une chose à faire deux fois par jour, couper son téléphone le matin et le soir. Je vous explique. Le matin, tant que j'ai pas terminé toute ma morning routine, jusqu'à avant que je me prépare, genre que j'aille à la douche, mon téléphone reste en mode avion. Je n'y touche pas, il me sert juste à regarder l'heure si besoin. Mais pas de notification, rien. Et le soir, c'est pareil, j'essaye vraiment de le faire au moins 30 minutes avant d'aller me coucher. Même si je fais plein de trucs après, juste je mets mon réveil, je le mets en mode avion, je le mets dans ma chambre et je fais mes trucs. Genre, je sais pas, je range, je donne à manger à mon chat, je mets ma crème et compagnie. Pour moi, ça me paraissait impossible parce qu'en plus, moi j'aime bien rester, mettre des stories jusqu'à que je dorme, etc. quoi. Moi je pensais vraiment pas pouvoir, mais en fait si. Et du coup, si vous pensez pas pouvoir, en fait vous pouvez. Donc faites-le, parce que je vous jure que ça change tout le sommeil, ça change tout. Par contre, moi j'arrive pas du tout quand je suis ailleurs que chez moi. J'arrive à faire ça que chez moi. Genre là, je sais très bien que je vais sûrement faire une vlog week bientôt. Et je sais que ça va me décaler. Bon, déjà il y a le décalage horaire forcément, mais je sais que ça va me décaler parce que je suis incapable de faire du sport ailleurs que chez moi. Je suis incapable de me coucher tôt ailleurs que chez moi. Enfin, ça c'est mon next step, c'est réussir à m'adapter à mon environnement. Ça et manger plus sainement. Même si là je suis en train de manger plus tard, j'ai vraiment envie de cuisiner un petit peu plus. Je sais que ça va me prendre du temps et que ce soit au fur et à mesure, mais il faut vraiment trop que je cuisine. Je sens que mon corps en a besoin. Je suis tellement fatiguée quand je mange mal. Les gars, j'ai une confidence à vous faire. J'ai coupé la caméra parce que j'ai fini la pizza. J'allais pas parler la bouche pleine pendant 30 minutes. Et je me pose sur le canapé, genre vite fait. Je me dis, je me pose comme ça, après je prends mon dessert. Et là, dramatique. Miso qui se met là sur moi. Je ne vais jamais pouvoir me lever, je suis en train de m'endormir. Update. Je me suis vraiment endormie dans le canapé au final. Je crois que le fondant au chocolat c'est mort pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je continuerai demain, car demain est une nouvelle journée et je serai plus fatiguée. Je crois que je vais donner manger à Miso. Non, je crois que je vais donner à manger à Miso. Je vais aller me doucher, faire ma skincare routine et dormir. On est
est dimanche, le lendemain. Écoutez, il est presque 14h. J'étais en mode je mange vite fait, je me prépare et je commence à tourner la vidéo. Et en fait, je viens de me rappeler que j'avais acheté plein de trucs picards hier, donc que j'avais à manger. Et donc que à la base, cette vidéo est une vidéo picard, donc on va goûter des trucs. Ok, je me rappelle même plus de ce que j'ai acheté. J'ai bien envie de goûter la purée à la truffe, ça je m'en souviens. En vrai, je préfère purée à la truffe avec un peu de poulet. Ça me fera pas de mal. J'ai trop faim, je meurs de faim. Et voilà. Bon bah purée et poulet, on va goûter ça. Voyons voir ce que ça donne. Goûtons le poulet. Non, c'est trop bon, trop bon. Je vous promets, je pense que je vais faire tout le temps des courses chez Picard pour essayer de me remettre à cuisiner. Même si c'est pas cuisiner, mais juste préparer des trucs à la maison. Et après, je pense que ça me donnera plus d'idées déjà pour cuisiner de moi-même. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans ma situation de ne jamais cuisiner, de déjà pas cuisiner correctement, jamais vraiment cuisiner des choses saines, etc. Et qui a réussi à passer de l'autre côté et qui arrive à cuisiner des trucs bons, manger sainement? S'il y a des gens qui sont passés par là, donnez-moi des conseils là pour le coup. Genre, je sais pas comment faire. Purée à la truffe. Alors ça sent de ouf la truffe, le goût on le sent, mais c'est pas hyper fort, mais c'est bien dosé du coup. Ah non, franchement c'est grave grave bon. Et puis la, genre la purée est trop bonne, elle est bien, je sais pas, elle a une texture trop agréable, trop contente. C'est l'heure du fondant au chocolat. Putain, il faudrait vraiment que je m'habille et que je me douche, que je me prépare. Apparemment c'est pas dans les plans. J'aimerais bien que ça se fasse au micro. Wow. 17 minutes. Préchauffer le four. Putain, faut que je fasse marcher le four maintenant. Je sais plus comment ça fonctionne. Oh là là, je vais réaliser que je vais refroidir pendant 10 minutes. Vraiment, je le mange demain le truc. Ah. Y a plus qu'à attendre. Les gars, je pense que c'est prêt. Je vais attendre avec ça. J'ai plus de torchon propre. Faut trop que je fasse des machines cet après-midi. J'espère qu'il a pas trop cuit, mais je pense pas en vrai. Faut le laisser refroidir pendant 10 minutes et après je vais venir le démouler. Oh, j'ai trop peur qu'il soit pas fondant à l'intérieur. Il m'a l'air trop cuit. Oh, ça a fonctionné! Oh, ça me fait penser à un truc. J'ai lu un commentaire sous je sais plus quelle vidéo de quelqu'un, mais c'est vraiment genre la première fois qu'on me dit ça d'ailleurs, mais ça m'a marqué. On dit t'exagères trop sur tes réactions et tout. C'est moi, genre j'agis comme ça dans la vraie vie et ça m'a fait trop rire parce que je me suis dit, genre j'ai regardé la vidéo, je me suis dit mais genre à quel moment elle a pu se dire ça. Et j'avoue, genre je suis toujours en train de rigoler, de je sais pas, je suis toujours à fond dans tout ce que je fais. Genre quand je suis trop contente, tout le monde a compris parce que je le hurle, mais je vous assure que c'est comme ça que je réagis naturellement. Et je me suis dit, s'il y a des gens qui pensent que j'exagère pour la vidéo, bah non, malheureusement je suis comme ça dans la vraie vie. Bref, on s'en fout, goûtons, ça me donne trop envie. Oh, ok, vous voyez ce que je vois. Ok, c'est incroyable. Ok, en fait c'est le truc de Picard. Si alors vous regardez cette vidéo, Picard est ouvert, foncez. Ok, c'est incroyable, le goût est incroyable, c'est vraiment dégoulinant au milieu, genre ah, c'est trop bon. Je suis stressée, il est 15h30 et j'ai ma vidéo dressing qui sort à 18h. Je suis toujours stressée, mercredi, dimanche, 18h. C'est le moment où je sors mes deux vidéos. Je suis toujours stressée, mais c'est du bon stress. Genre en vrai, j'ai plus que j'ai hâte plutôt que je suis stressée, je pense. Il y a toujours ce truc où je me dis, j'espère que ça va plaire, j'espère que la vidéo est cool. Mais j'aime bien. Du coup, j'ai choisi 18h. Avant, c'était le mercredi, 18h. Le dimanche, 16h. Mais en fait, maintenant, je fais 18h tout le temps et puis voilà. Je trouve que c'est bien. Ça, c'est incroyable par contre. Entre temps, je me suis préparée et je suis allée faire un petit tour avec Jérémy vu que c'est dimanche. C'était grave cool, ça fait vraiment partie de mes nouvelles résolutions de me forcer à sortir. Mais pour de vrai, parce qu'avant je me disais oui, il faut vraiment que je me force. Non, non, là genre je sors en fait, c'est pas il faut, c'est je sors. Tous les jours, il faut que je sorte. Non, je sors. Obligatoire pour se sentir bien quand on travaille de la maison, surtout le week-end, genre pas sortir du week-end, faire un petit effort. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai trouvé ça grave cool. Première vidéo que je tourne vraiment dans cet appart sans que ce soit sujet déménagement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu et activer les notifs pour pas louper les prochaines vidéos parce qu'il en aura plein. Je sors deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas aussi à checker Instagram parce que je suis vraiment active tous les jours. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Mmh.